La session de la graine à la licorne, comment les investisseurs façonnent le paysage technologique africain pour 2030. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Takuma Terakubo, CEO de Uncovered Fund. You can come. Je vous demande d'applaudir également Hélène de Mecht, présidente de Gaia Impact Fund. Thomas Bigagli, partenaire de Plug and Play Ventures. Bambalo, cofondateur de PAPT, qui sera avec nous en digital, sous la modération de Julie Lancrier-Keurig. Toujours me d'applaudir, c'est parti. Bonsoir à tous, voici la dernière plénière de la soirée, comme Samir l'a dit, ne partez pas parce qu'on a les pitchs qui suivent, la pitch session qui promet d'être intense après. Et comme nous savons que nous avons beaucoup de startups dans la salle, parler financement c'est toujours une bonne idée, et donc financement en Afrique. Nous avons aujourd'hui deux visions. Nous avons celle de la startup avec Bambalo qui est en ligne, nous avons celle des investisseurs qui sont ici à mes côtés. Et 2023, ça a été une année charnière pour l'investissement en Afrique. Après déjà une année 2022 en demi-teinte, on a connu un premier semestre très difficile avec plus de 52% de baisse des levées de fonds sur le continent. Après le miracle africain qui était un petit peu le seul écosystème qui tirait son épingle du jeu ces dernières années, on arrive donc à voilà, c'est cette période un petit peu plus charnière. En même temps, on a des chiffres qui continuent à être encourageants. On a eu plus de 1000 investisseurs uniques sur le continent qui ont été répertoriés en l'année 2022. C'est toujours en croissance par rapport à 700, 800 qu'on pouvait avoir les années précédentes. Donc on a ces chiffres un petit peu contrastés. Et après, on a des questions de fond. Comment traiter de durabilité, de résilience pour les startups aujourd'hui sur le continent? Toutes ces questions qu'on va aborder avec nos experts de ce soir. Donc je suis ravie de les accueillir. Bonsoir Thomas. Bonsoir Hélène. Hi Takuma et bonsoir Bamba en digital. On va faire vite vu qu'on a pris un peu de retard, donc avec notamment Thomas qui devra nous quitter pour prendre son avion. Donc on va commencer avec vous Thomas sur une première partie que j'aimerais qu'on aborde sur les défis et les opportunités dans le contexte qu'on vient de présenter, qui est un contexte de financement contraint. Face à cette baisse, comment diriez-vous que les investisseurs peuvent redéfinir leur approche pour soutenir efficacement l'écosystème de start-up aujourd'hui? Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. J'ai été impressionné par la qualité de l'événement. Donc déjà, je tenais à le mentionner. Pour répondre à votre question, je pense que c'est les investisseurs, mais pas seulement, c'est toute la chaîne de valeur. En tant qu'investisseur, je peux répondre sur cette partie. Cette partie, je pense qu'inévitablement, la thèse a énormément évolué depuis ces dernières années, donc pré-pandémie, pendant la pandémie et post-pandémie. On s'est rendu compte que post-pandémie, beaucoup d'investisseurs étaient assez réticents sur le déploiement de leur capital. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fait des erreurs. Pendant cette bulle qui s'est passée pendant quasiment 3 ans, comment ces investisseurs peuvent aider les startups? Déjà, il y a plusieurs moyens de le faire. On voit de plus en plus de nouveaux acteurs, donc notamment sur je dirais, en pré-amorçage, amorçage, avec beaucoup de groupements de business angels, des super angels, et aussi des gros fonds de VC qui étaient plus late stage, qui commencent à faire du early stage, pour vraiment couvrir, je dirais, ce manque. Je pense que les startups en pré-amorçage, amorçage sont un peu moins impactées. Pourquoi? Parce que je trouve que le marché est assez sain. C'est-à-dire que les investisseurs leur demandent pas mal de validation de marché en amont afin de pouvoir lever des fonds, mais ce qui est bien, puisque ça limite inévitablement les erreurs, et je dirais que ça peut nous certifier ou nous aider du moins à valider des retours sur investissement sur le long terme.
Pour le late stage, c'est un peu plus compliqué puisque ces dernières entreprises ont levé des fonds, je dirais, pendant cette bulle. Et donc, inévitablement, elles redescendent sur Terre. Et elles se disent, bon, bah, on a pu lever beaucoup d'argent et des grandes valorisations. Cependant, en fait, c'était un peu utopique et c'était pas le vrai monde. Et back to reality. Et en fait, back to reality, très bien, mais comme vous le savez, tous les investisseurs, généralement, se doivent de continuer à aider leur portefeuille. Et donc, on se doit de continuer à investir pour les aider à survivre. Malheureusement, il y a eu énormément de lay-off, énormément, et je pense que c'est pas forcément terminé, pour être très franc avec vous. Donc le late stage, je suis un peu moins optimiste, mais on voit de plus en plus de fonds qui se placent sur du secondaire, et aussi de fonds qui continuent à vouloir déployer pour aider ces entreprises à pouvoir survivre. Donc pour vous la faire courte et récapituler tout ce que je viens de dire, je pense qu'énormément de nouveaux acteurs sont en train de se créer sur le early et le later stage. On sait que la vague était un peu plus compliquée et donc il y a plusieurs dispositifs ou nouvelles stratégies qui permettent d'aider ces dernières. Peut-être pour vous partager un petit hint, qui n'est pas forcément... vous allez avoir du mal à trouver cette information sur le net. Je ne sais pas si vous êtes au courant que Sequoia, par exemple, puisqu'il y avait beaucoup de poudre à canon, donc de dry powder, c'est le capital que les investisseurs gardent afin de pouvoir investir dans des entreprises, donc des startups, afin d'influencer les fonds à utiliser leur capital et pas le garder, et donc injecter ce cash dans l'économie. Ils ont mis en place donc les frais de gestion, au lieu de les déployer sur les assets under management, donc là. La globalité gérée des fonds managés par les entreprises, de pouvoir au contraire verser ces frais de gestion basés sur le déploiement de capital. Donc je vous la fais très courte, je vous donne un exemple parce que je pense que ces terminologies ne sont pas, si faciles que ça pour tout le monde. C'est une terminologie vraiment basée sur le VC, mais en gros, si vous avez un fonds de 100 millions, nous, les VC, on se rémunère chaque année de 2%. Donc, on a sur 10 ans, par exemple. Donc, on va utiliser 2 millions pour couvrir nos salaires, tous nos coûts fixes, etc. Ces 2 millions, ils sont basés sur la globalité des 100 millions, vous êtes d'accord? Et donc, sur 10 ans, ça fait donc 20 millions. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que si vous êtes un fonds et que vous gardez tout votre argent et que vous ne le déployez pas, vous touchez quand même ces 2 millions, et ce n'est pas normal. Donc, c'est que ce qu'ils se sont dit avec leur LP et pouvoir influencer le marché. Ils se sont dit, ben, pourquoi pas, au lieu de verser ces frais de gestion sur ces 100 millions, de se dire, ok, si le fonds de VC déploie, j'en sais rien, 10 millions, ben, on leur verse en fait une partie. Et ce qui fait beaucoup plus de sens. Et qui pourrait influencer donc ces fonds de VC à injecter et donc aider les boîtes qui sont en difficulté actuellement, par exemple. Adaptation donc, merci beaucoup. Je me tourne vers vous Hélène, même question sur l'adaptation, donc comment les startups et les fonds, à vos yeux, s'adaptent à cette crise du VC? Alors merci beaucoup, ravie d'être là aussi, toujours un très bel événement et l'occasion de rencontrer des entrepreneurs et des entrepreneuses. Je dis bonjour à celles que j'ai rencontrées hier. Alors moi, si vous permettez, je vais me replacer, nous, dans notre contexte. Moi, j'ai fondé Gaïa, le fonds d'impact Gaïa. Nous investissons dans le cadre de la transition énergétique. Donc, je parlerai plus particulièrement de ce que je connais le mieux, donc le domaine de l'énergie, la transition vers les énergies renouvelables. Donc, quand on situe le contexte du changement climatique, de la problématique du financement et des baisses de financement, ce qu'on peut se dire, donc je ne vais pas vous rappeler les données clés de l'Afrique qui est le moindre contributeur et pourtant une des zones les plus exposées aux futurs impacts du changement climatique. Donc pour moi, et c'est pour ça qu'on a créé Gaïa, l'Afrique et le changement climatique sont les deux sujets absolument clés pour notre monde entier aujourd'hui, que ce soit l'Europe et toute la planète entière. Donc face à ces enjeux massifs, on voit en effet qu'il y a une partie des financements qui font un peu le yo-yo. Par contre, on voit qu'il y a quand même, on doit le dire, des Green Deal, des financements internationaux qui sont vraiment, qui vont être focus sur cette transition, parce que tout le monde est convaincu
qu'on ne peut pas se préoccuper de notre transition simplement au-dessus de nos têtes, mais que c'est au niveau global. D'ailleurs, même dans le Green Deal européen, il y a une partie, alors j'espère que ça sera vraiment mis en œuvre, mais en tous les cas pour l'Afrique. Donc la conscience est là. Donc ce que j'espère, pour répondre à votre question, c'est qu'avec ce déficit, il y aura quand même des investissements massifs pour travailler à la résilience climatique, pour qu'en effet, parce que c'est dans cette transition que ça va créer des nouveaux emplois et qu'un leapfrog sera peut-être possible en Afrique aussi, même au niveau des énergies, comme on l'a vu au niveau du digital, des télécoms, etc. Bon, ça, c'était le premier point. Par contre, très concrètement, en tant qu'investisseur, alors c'est vrai que ce resserrement, nous on est plus particulièrement sur la maturité early stage, plutôt en phase d'amorçage, c'est-à-dire série C, série A et jusqu'en série B. Ce que je pense, donc les différents leviers, en fait, pour adresser ces sujets, ça va être, pour nous, investisseurs, encourager les entreprises, et ça, on sait à quel point les entreprises africaines sont souvent sur ce mood-là, renforcer vraiment une voie vers la rentabilité qui soit la plus rapide possible. Parfois, on est vraiment dans ces phases de déploiement, et Dieu sait, comme dans l'énergie et dans les infrastructures, c'est très capital-intensif, mais il faut quand même en profiter pour garder cet équilibre et faire en sorte que le path to profitability est atteinte le plus rapidement possible dans les business models. Ça, c'est un premier point. Nous, en tant qu'investisseurs, on va aussi travailler plus. Nous sommes un investisseur equity. Il n'y en a pas beaucoup. C'est principalement du financement en dette qui existe. Mais il y a aussi ces instruments de quasi-equity qui peuvent être très intéressants, de mezzanine, qui peuvent être très intéressants dans des mouvements comme ça de creux. Et puis sinon, c'est vraiment en tant que capital patient. Là, pour le coup, c'est aux investisseurs de s'adapter. Nous, en tant que fonds d'impact, on trouve que c'est une des caractéristiques d'un fonds d'impact, c'est d'être un fonds patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la période d'investissement, elle doit pouvoir s'allonger. Et la période du fonds classique, elle est de 10 plus 2. Donc, en fait, elle est plus sur 12 que sur 10 ans. Merci beaucoup. Donc, on a parlé de mécanismes, on a parlé d'adaptation sectorielle, on a aussi parlé de transition plutôt technique. Turning towards you, Takuma, what do you think? Je me tourne vers vous. Quel est l'impact de cette crise internationale sur les start-up? De quelle manière est-ce que cela peut changer leur résilience et leur adaptabilité? Bonjour à tous, je m'appelle Takuma. Je viens du Japon. Je suis à la tête de Uncovered Fund. Nous travaillons avec des startups africaines. Nous avons investi dans 29 startups qui sont liées à la fintech, à la logistique, à la vente, etc. Et je suis d'accord. Ce sont des temps difficiles pour les startups. Elles ont du mal à trouver de l'argent. Il n'y a plus d'investissement pour les startups africaines. Il y a deux choses qui me font peur et qui sont importantes. Il y a les prévisions de rentabilité et en deuxième lieu, la réduction des coûts. Il y a 3 ans, les investissements pour les startups africaines se sont retrouvés dans une bulle. Les startups ont peu de traction, mais aujourd'hui, je pense que c'est une période beaucoup plus positive pour les startups au niveau de la rentabilité, au niveau de la création d'entreprises pour la durabilité. Avec nous connectés. Non, on me dit qu'il ne s'est pas connecté. On va donc continuer avec Thomas. On passe donc plus sur un zoom que j'aimerais sur l'entrepreneuriat féminin à présent, une tendance de fond du marché. Finalement, comment pensez-vous que l'entrepreneuriat féminin contribue au mentorat de la prochaine génération d'entrepreneurs et comment vous, à Plug and Play, vous traitez cette composante dans vos investissements? Merci beaucoup, très bonne question. D'abord, je voudrais commencer
par mentionner que Plug and Play, on a 48% de femmes qui travaillent chez nous. On peut applaudir. Et tout en gardant en tête qu'on est 850 en tout et pour tout. Et en plus de ça, pourquoi je mentionne Plug and Play ? Parce qu'on est une entreprise très entrepreneuriale. On gère toujours cette entreprise familiale, totalement, à 100%, comme une start-up. Donc on est très lean, on essaye d'innover, de co-construire, de valider nos hypothèses et de grandir. Et on est totalement self-funded. Pour en revenir peut-être à Plug and Play pour faire le pont, on a créé une initiative qui s'appelle Found Her, comme founder, mais founder, c'était le petit jeu de mots, petit pun, qui est un programme totalement gratuit. Donc, de toute façon, nos programmes, on ne prend jamais d'equity et on est totalement gratuit, même en monétaire, pour ces entrepreneurs. Et on a ce programme international, donc founder, qui est aussi bien virtuel que physique et qui se déroule très bien. Ce que j'apprécie, c'est que je trouve que les femmes dans le monde entrepreneurial, et que ce soit la diversité en règle générale, pas que les femmes, la diversité, je trouve que les gens ont tendance à prendre énormément parti, à vouloir se battre pour ça, et que ça aille qu'on puisse créer des vagues, et que cette vague puisse perdurer le plus longtemps possible pour avoir un impact positif. Je sais que si on regarde des statistiques, inévitablement, dans le monde des VC, par exemple, ou même dans l'entrepreneuriat, on se rend compte que les femmes sont toujours une partie mineure. Cependant, je trouve qu'il y a quand même une certaine augmentation au cours de l'eau. Et je trouve aussi que ces dernières, donc les femmes qui ont déjà eu l'opportunité de se créer un nom, veulent vraiment devenir des ambassadrices et pouvoir aider les autres personnes, encore une fois, sur toute la chaîne de valeur, que ce soit investisseur, mentor, entrepreneur. En règle générale, je pense que l'innovation, de toute façon, c'est la chaîne de valeur qui compte. Mais pour récapituler ma pensée, les plus grandes entreprises et les plus petites essaient vraiment de jouer un rôle, je trouve. L'index reste bas, cependant, il est grandissant. Donc je suis très confiant sur ces statistiques qui ne peuvent qu'augmenter au cours de l'eau. Et je pense que tout le monde doit jouer un rôle. Que les femmes le jouent, c'est très important, mais que les hommes comme moi puissent aussi contribuer à cette croissance, je pense que c'est vraiment très stratégique et important. Donc voilà. Merci pour ces mots encourageants. Turning towards you, Takuma, again. Pour revenir vers vous, Takuma, dans l'entrepreneuriat féminin, qu'est-ce que vous diriez est le rôle des femmes sur le marché aujourd'hui, et notamment dans le fintech, dans l'edutech et la e-santé? Nous avons accompagné plusieurs femmes entrepreneurs en Afrique. J'ai une société qui s'appelle PiggyBest qui se trouve au Nigeria et fournit une plateforme aux Nigériens. Ils ont déjà 6000 utilisateurs et la fondatrice est une femme. Ensuite, Seafall, c'est géré par une femme aussi. 70% des employés sont des femmes également. Donc, je pense que ce type d'exemple est très prometteur. On devrait en parler davantage. Les femmes entrepreneurs sont très strictes, elles sont très puissantes et on devrait les accompagner plus. Ce que je peux faire est d'accompagner les investisseurs. Nous avons 5 membres de l'équipe, dont 2 sont des femmes. Parfait. Continuez, s'il vous plaît. Donc, je pense que c'est bien d'avoir un équilibre homme-femme. C'est bien d'avoir plus d'investisseurs femmes en Afrique. La question à vous maintenant, Hélène. On a parlé en préparant ce panel du Twix Challenge. Plus globalement, qu'est-ce que vous pensez qui sont les initiatives aujourd'hui qui pourraient permettre de renforcer la place de la femme entrepreneur aujourd'hui sur le marché du VC? Oui, alors en effet, ce fameux Twix Challenge, nous, on l'a vraiment suivi dans le cadre de notre premier fonds. Mais je pense qu'il faut aller
peut-être encore plus loin. C'est très intéressant pour savoir où on en est. Et c'est comme ça qu'on prend conscience que, par exemple, dans le C-level, on n'est pas assez, y a pas assez de femmes, etc. Mais c'est juste un benchmark. Peut-être qu'il faudrait des mesures. Je ne dirais pas d'aller jusqu'à la discrimination positive parce que c'est pas forcément, après parfois ça se retourne et c'est pas forcément ça. Mais je pense que mettre en avant des femmes entrepreneurs, peut-être plus de prix. Moi je sais que dans notre portefeuille, je voudrais vraiment rendre hommage à Entabi Mioza qui est une des cofondatrices de Easy Solar, une entreprise dans l'énergie au Sierra Leone. Qui a créé l'entreprise il y a 7 ans. Dieu sait comme c'est un... elle se bat tous les jours, elle a gagné énormément de prix et je pense que, et même dans les Forbes Women, etc., mais je pense qu'il faut, il faut encore plus mettre en avant et peut-être encore plus communiquer. Je pense qu'on est à l'ère de la communication et peut-être plus avoir des exemples de femmes entrepreneuses. Déjà, peut-être commencer à les appeler entrepreneuses, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je suis peut-être assez mal placée en étant femme, mais je trouve qu'elles rayonnent et elles ont quelque chose à prouver. Elles ont quelque chose de très très fort à prouver et souvent ça émane d'elles et ça rayonne assez fortement. Donc on pourrait en faire un peu plus, peut-être quelques icônes comme ça qui... Et c'est comme ça, on le sait, hein, c'est comme pour attirer plus de femmes dans les métiers des sciences ou des ingénieurs, c'est des personnes phares qui sont mieux mises en avant. Mettre en valeur les success stories. On va rester avec vous, Hélène, pour passer à la dernière partie de ce débat. J'aimerais qu'on parle un peu de vision d'avenir, de perspective. Finalement, pour le marché du VC, qu'est-ce que vous pensez, Hélène, des réseaux d'investisseurs? Est-ce que vous pensez finalement que c'est une manière de soutenir l'expansion des entreprises africaines? Alors nous investissons toujours, nous sommes toujours en co-investissement. Donc c'est en cela que nous créons un réseau sur nos sujets, hein, sur nos thèses d'investissement, et que nous collaborons avec d'autres fonds d'impact ou fonds, d'ailleurs aussi certains DFI qui travaillent beaucoup dans l'énergie et dans l'énergie access. Je pense qu'on pourrait aller encore un peu plus loin. Après, ce sont, je trouve, très clairement, en France, bon, il y a quelques événements comme ici aujourd'hui, Emerging Valley, qui permet de regrouper. Mais pour moi, en faisant partie de groupes France Invest, d'Impact, etc., moi, je préfère les associations qui mettent en lien, comme ici par exemple, les investisseurs et les entrepreneurs. Parce que être juste dans un entre-soi d'entrepreneur, n'est pas. C'est très utile, mais on reste justement entre soi. Moi, j'aime bien avoir cette confrontation dans tous les sens. Et plus de diversité dans les meetings et dans les clubs, comme vous dites. La confrontation, dans les réseaux. Donc. Très bien. Merci. Je vais continuer avec vous, Thomas. C'est un petit peu la question boule de cristal pour parler des tendances. Qu'est-ce que vous voyez pour l'horizon 2030 sur les grandes tendances du VC africain avec votre casquette plug and play? Très, très bonne question. Boule de cristal, je ne sais pas. Je pense qu'il va y avoir énormément de consolidation de marché aussi. C'est souvent ce qui se passe pendant la crise. On le voit déjà avec l'AI, par exemple. Pour moi, en Afrique, que ce soit des nouvelles tendances ou des tendances actuelles, d'ailleurs, je pense que tous les sujets de mobilité, de supply chain vont perdurer. Les sujets de santé, de durabilité aussi. Et les sujets de fintech. À savoir que l'Afrique a été sur beaucoup de sujets beaucoup plus avancé dans le digital que l'Europe. Hein. Le paiement par téléphone, c'est démocratisé en Afrique depuis limite une décennie. Hein. Ce qui arrivait très tard ici, par exemple. Pendant longtemps, en Afrique, les habitants avaient plus de smartphones que nous. Hein. Donc, à savoir que je pense que
dès qu'on parle de digital, l'Afrique est vraiment, vraiment, je dirais, en haut du sommet depuis longtemps. Maintenant, les industries vont se consolider, perdurer, etc., sont celles que je viens de mentionner pour plusieurs raisons. On peut en creuser, en parler pendant des heures, honnêtement. Mais je mentionnerai ces dernières. Et après, inévitablement, on peut rajouter des briques technologiques sur ces dernières pour créer des nouvelles vagues d'inno, puisque pour la faire courte, l'innovation, il y a plusieurs paradigmes. Hein. Dès qu'on peut innover, je dirais répondre à un point de douleur, 5 ans, il y aura un nouveau paradigme avec des nouvelles technologies qui vont disrupter ces dernières. Donc, inévitablement, c'est cyclique et je pense que certaines industries en Afrique ont énormément de potentiel et vont perdurer. Merci beaucoup. Same questions for you, Takuma. La même question se pose à vous, Takuma. Si on se tourne vers l'avenir, quelles tendances voyez-vous dans le marché VC en Afrique? Je pense que le marché africain est l'avenir. Notre fonds est soutenu par des coopérations japonaises depuis 30 ans. Ces sociétés se sont développées tout d'abord en Chine et ensuite en Inde. Donc je pense que l'Afrique est la prochaine étape. Beaucoup d'investisseurs japonais sont très passionnés par l'économie africaine, donc ils ont envie de monter quelque chose sur le continent africain. Donc c'est sûr que ça va connaître un essor incroyable tel que nous avons vu en Inde et en Chine. Donc les investisseurs arrivent. Vail. Merci beaucoup à tous les trois pour ces tendances, pour cette vision sur le VC africain. Vous pouvez tous les applaudir. Merci beaucoup à nos panélistes. Merci Thomas, merci Hélène. Thank you Takuma. We're going to take a last group picture. Takuma, nous allons prendre une photo de groupe et puis rester sur scène parce que nos participantes vont pitcher leur société.